Good evening. Welcome to the second session of the conference. My name is Reva Simon, recently retired from Yeshiva University, and I was asked to chair this session. Our first speaker, notre premier orateur, Yosef Yossi-Shetrit, est un professeur artiste de linguistique, études pragmatiques à l'Université de Haïfa. Ses études sont précisément sur la culture juive et en Afrique et sur plusieurs aspects, linguistiques, sociodiscursives. Discours. Il travaille dans plusieurs domaines, et précisément dans le judéo-arabe, dans le judéo-hébreu, traditions juives marocaines sur le mariage, l'éducation juive. Son nouveau livre vient d'être publié sur le judéo-arabique. Il s'appelle le dialecte judéo-arabe au Maroc. Il va nous parler aujourd'hui sur les choses qu'a agi, les accomplissements de Yosef Benatar au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai l'habitude de parler sans texte, mais cette fois, puisqu'il y a de la traduction, alors j'ai dû donc écrire ma conférence. J'espère que je vais pouvoir avoir le temps de dire tout ce que j'ai écrit, vu que la personnalité est sans doute une personne. La femme Enel Onelli, Kazes Benatar, la personnalité qui a agi qui a eu un impact sur son mari, mais pour la simple raison que je vais mentionner maintenant. Mon objectif par cette conférence est double. Premièrement, je voudrais faire ressortir la personnalité d'un juif, une personne d'envergure, qui toute personne qui le connaissait lui promettait un futur dans le leadership des juifs du Maroc dans le XXe siècle. Il est malheureusement mort jeune, apparemment à cause de l'attaque d'un virus qu'il a tué sous 10 jours. Le 11 janvier 1939, lorsqu'il avait 39 ans, alors qu'il était en bonne santé comme un sportif. Deuxièmement, j'aimerais présenter le plan d'action qu'il a mis en place pour trouver des solutions à tous les problèmes que le comité de la communauté de Casablanca a dû faire face et les aléas qu'a dû passer ce programme quelques mois après sa mort et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde comprend que lorsqu'on parle de Moses Benatar, qui était donc le mari, on sait donc qu'on parle de Moses Benatar, le mari de Nelly Kazes Benatar. Nelly était associé dans cette activité au sein de la communauté de son mari, de la communauté avec son mari, pour apportant son aide dans les conditions de l'existence juive de dizaines de milliers de juifs qui se trouvaient à Casablanca. Elle a dû faire face à des tragédies qui se sont produites chez elle et vers ses deux enfants. En perpétuisant son activité au sein de la communauté, en rapportant le maximum de personnes et d'aide au sein de l'école, en tant qu'avocate et en tant que personne politique dans le monde juif de Casablanca, les dernières années avant la Deuxième Guerre mondiale. Des témoignages sur son activité en tant que présidente du groupe nous disent ainsi. Le peu d'années entre 1935 jusqu'au début 1939, au cours duquel Moses Benatar a dû faire face elle a été celle qui a été l'oratrice de toutes ces communautés. Elle a écrit des comptes rendus pour la préfecture pour leur donner aussi des dédommagements. Alors, les témoignages qui ont été faits à propos de cette activité, les peu d'années depuis 1935 jusqu'à 1939, au cours desquelles Moses Benatar se trouvait à la tête du groupe des Bogrés, de ceux qui sortaient de l'école de l'Alianès, ont pu prouver
tout ce qu'elle a voulu mettre en place en mettant en avant ses capacités, en dirigeant cette institution, en mettant en place toutes ces initiatives et en faisant mettre en place toute cette collaboration avec les membres de la Gouda, qui a permis de mettre, de prouver son travail et surtout en mettant en place sa vision et tout ce qu'elle a mis en avant pour la jeunesse juive. On va amener des témoignages de deux dirigeants qui connaissaient bien Moses et sa personnalité. Le premier est Shmuel David Levi, qui était en vérité le dirigeant non officiel des Juifs du Maroc durant le XXe siècle. C'était l'orateur le plus compétent du Maroc, en Maroc et en dehors. Ces choses-là, elles ont été dites dans un congrès du forum des dirigeants de Agudat Bogre Bate HaSefer de Elianas, qui se passait en Pessah 1939. C'est lui qui était responsable de tous ces groupes au Maroc. Il a dit comme ainsi, il a parlé. Messieurs, avant que nous commençons nos activités, je devrais d'abord parler de la mémoire d'un ami qui nous a été enlevé, qui nous a été retiré il y a quelques mois, qui nous a laissé tous étonnés et tristes. Moses Benatar, qui était le chef de la Agouda à Casablanca, était également une partie du comité fédéral. Il a donc contribué à notre organisme, nos réunions annuelles qui se faisaient avec beaucoup d'intelligence et avec des méthodes très justes qui mettaient en valeur chaque détail et sa grande personnalité. Il a donc protégé et montré son enthousiasme, son autorité par laquelle il présentait ses idées et sur laquelle il protégeait ses convictions. Moses Benatar a prouvé comment il nous a aidé à élever la position des Juifs et nous a prouvé ça d'une manière qui est incontestable. Ses activités autour de Casablanca, qui étaient quelques mois avant sa mort, dans l'organisation communautaire, nous a laissé un grand impact. Mais messieurs, j'aimerais vous parler, je voudrais qu'on fasse une minute de silence. Une minute de silence pour la mémoire de Moses Benatar. Ce deuxième témoignage vient des paroles des funérailles qui ont été données par Robin Tajouri aux funérailles de Moses Benatar. C'était une des personnes qui. Il était membre de Kiar, de l'association Kiar, et responsable du réseau des écoles au Maroc. Il a dit comme ça: je ne vais pas rentrer dans tous les détails et dans tous les aspects de l'activité incroyable en tant que directeur de l'Agouda, toutes les activités du programme si large de l'Agouda l'intéressait de la même manière. Il était entièrement donné et entièrement intéressé avec le même intérêt et le même souci et le même entêtement, que ce soit les études, les diplômes, en ce qui concerne les diplômes, les études du soir, la bibliothèque, les conférences, les études d'hébreu et pour louer les salles, toutes les activités logistiques et le sport et la situation financière, tout ça a été fait. Je ne vais pas s'en rentrer dans des théories. Il a mis en place, il a agi face à la réalité et il a agi comme une personne qui tenait des ordres et qui réussissait à les mettre en pratique. Par cet esprit et par cette détermination, il a réussi à accomplir toutes ses missions et à mettre la Agouda dans un élan qui ne l'a pas lâché. Son plan pour servir pour le Irgun de Casablanca. Parmi dans les réunions auxquelles il a été membre et le contenu auquel il a dû lire et qu'il a les choses qu'il a dû affronter et la détresse qui se trouvait parmi les gens, la pauvreté qui se trouvait
la tolérance au niveau de la médecine, le manque de logement et la mendicité qui se trouvait et qui grandissait parmi les immigrés qui venaient qui se trouvaient sur tout le Maroc, de toutes parts, lui ont fait un grand impact, ce qui lui a fait décider d'agir afin de pouvoir non seulement changer le comité de la communauté, mais aussi pour pouvoir faire face à tous ces problèmes sociaux qui faisaient vraiment, qui étaient vraiment horribles, afin que le comité puisse trouver des solutions rationnelles qui puissent gérer ça. Dans son plan, il a aussi pris en compte les conditions politiques qui devaient aussi avoir une place. Et c'était Yahya Zaghouri qui était à la tête de ce segment. Il était à la tête de la communauté depuis 1923, mais ça faisait déjà depuis longtemps, depuis 1919, qu'il était présent de la protection des Juifs de France. Ça lui a attiré l'attention de Moses Benazar, qui a décidé de... Il a donc terminé son rôle ici en tant que membre de la communauté. Et pour justifier ce plan de réforme que Moses Benatar a mis en place, il a expliqué dans son discours: la situation des Juifs dans la communauté de Casablanca est tragique. La pauvreté est arrivée à des dimensions qu'on ne peut pas s'imaginer. En conséquence, j'ai décidé donc que la communauté va présenter des solutions pour ces problèmes actuels. Notre communauté ne peut pas faire face à ces problèmes. On a fait notre maximum pour faire face à ces problèmes, mais on n'a pas encore réussi à agir sur la raison de ce plan-là. Notre plan ne cherche pas à venir donner des solutions inconnues, mais nous voulons simplement décrire une situation présente et préposer des changements que tout le monde pense dessus, mais que personne n'a jamais réussi à faire sortir d'un contexte de simplement des discussions. Voici les premières choses qui font partie du plan pour le changement. Benatar ne proposait pas simplement des changements, il proposait une vraie révolution afin de vraiment faire face de manière rationnelle à tous ces problèmes qui ne faisaient que grandir, et pour apporter une solution à tous ces pauvres qui étaient au centre de son intérêt. Il a donc proposé 4 changements. Premièrement, un changement par rapport à l'organisation communautaire et de sa manière d'agir. Deux, des changements dans le rôle que l'organisation a et dans ses missions. Trois, agrandir les ressources de l'organisation. Quatre, reconditionner la situation sociale et financière de toutes les personnes en besoin en créant de nouveaux endroits de travail. Donc quoi faire pour changer la situation depuis sa base? Donc faire grandir les membres du communauté de 10 à 20 en vue du nombre de juifs qui grandit dans la communauté. Recevoir des juifs qui ne sont pas forcément marocains, mais qui étaient des personnes qui détenaient une citoyenneté différente en tant que membres du comité, et selon leur rapport avec la communauté juive, et après qu'ils aient été 5 ans au Maroc, choisir des représentants, faire des réunions au cours desquelles on va choisir des personnes qui vont représenter des personnes qui seront à la tête de la communauté. Jusqu'à là, on ne pouvait pas recevoir des gens qui n'étaient pas juifs au sein de la communauté, et c'est pourquoi on a fait des réunions pour pouvoir changer cette règle-là, comme on l'avait prévu dans le Taïr, qui a été instauré le 18 mai 1918. Mais celui qui est censé choisir les représentants est une personne qui fait partie de l'institution juive, plutôt que ce soit les membres du comité qui choisissent. Séparer entre la personne qui est responsable qui est responsable des institutions juives et celui qui est à la tête de la communauté du comité de Casablanca, pour éviter une situation que celui qui est
responsable devienne aussi celui qui prend les décisions. Une organisation de travail pour les personnes du comité, monter un nouveau comité qui soit en commission de vigilance, qui va pouvoir mettre le doigt sur un problème nouveau ou certaines choses qui puissent arriver, pour proposer un éveil au corps de la jeunesse juive afin de réveiller leur identité avec la France, et les proposer à devenir bénévoles pour l'armée française pour pouvoir créer une relation proche entre les juifs et les musulmans. En dehors de ce comité, il fallait également trouver des conseillers de droit bénévoles qui pourraient aider à aider les personnes en besoin et les assistants sociaux. Pareil en ce qui concerne le comité et la collaboration avec tous les autres organismes juifs afin à Casablanca au profit de la communauté juive. En 1938, il est mort le 14 janvier, et il a écrit ça dans les ces dernières semaines de sa vie. Enfin, 1938, il voyait vraiment la situation, il voyait un corps vivant. Comme la France avait décidé qu'ils ont nommé des personnes à la tête de ce régime. Des changements dans les rôles de l'organisme et dans sa mission, dans son aide aux personnes en besoin. Le travail du comité serait apporter de l'aide aux pauvres, gérer le rituel juif. En deuxième lieu, se soucier des logements qui soient un prix accessible à tous. Créer des lieux de travail, créer des écoles et des endroits, développer des projets pour pouvoir donner des diplômes et pour l'agriculture. Limiter l'aide aux pauvres. L'imitation on aide les pauvres seulement s'ils travaillent pour le comité. De la même manière, limiter l'aide aux pauvres seulement de la part des revenus qui viennent de l'organisme. Ça veut dire que l'argent devait tourner seulement dans l'organisme. Et ça se faisait par donner seulement de l'aide aux pauvres, de leur donner un logement, de leur donner à manger, donner une aide médicale pour les malades, éviter la propagation d'un virus, faire des maisons de retraite et sortir des cartes de pauvreté pour les personnes. Le logement, ça serait un logement à la place de payer les gens avec de l'argent, on leur donne un logement. Ce qui concerne la santé, nettoyer plus les habitations pour éviter la propagation des virus. L'éducation, donc il faudrait que le comité s'occupe de tout ce qui concerne l'enseignement, précisément en ce qui concerne l'enseignement de l'hébreu, augmenter le nombre d'écoles pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas acceptés à l'école, parce qu'il n'y a juste pas assez de place dans les écoles. La moitié des enfants à Casablanca à ce moment-là n'étudiaient pas à l'école d'Alliance parce qu'il y avait, ils n'étaient pas capables de payer le prix que ça coûtait. Ils n'avaient pas les moyens et donc il n'y avait même pas d'argent pour créer des classes. Et les Français ne voulaient pas que les enfants puissent étudier, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils restent assis. Ils ne voulaient pas que si on donne aux enfants à 100% d'études, que tous les enfants vont à l'école, alors les musulmans aussi vont venir et vont demander à avoir des écoles. Donc toujours il y avait un problème d'amalgame et de généralisation. Et donc, on demandait qu'est-ce que l'autre il va dire, et donc, que ce soit les musulmans ou les juifs, les deux, ils souffraient de cette situation. C'était une des lois qui... L'objectif était de limiter les maîtres d'éducation au sein de la communauté juive pour éviter
pour que ce soit seulement pour pas que ce soit pour que ce soit que les Français qui puissent profiter du système d'éducation, parce qu'ils savaient que si tu donnes une éducation à des étrangers, ça veut dire que ça enlève le protection, le protectorat de limiter l'étude aux Français. Donc, deux, deux, trois, reconditionner la situation sociale et financière envers les pauvres pour leur, en leur donnant des lieux de travail. Il faut absolument faire tout effort pour créer des programmes de santé et social afin, parce que c'est ce programme-là qui va nous permettre de pouvoir reconditionner de, doucement, graduellement la communauté et limiter le nombre de personnes qui profitent, qui sont en, qui ont besoin de l'aide de la, du comité. Pour ça, il faut les organiser de manière à leur donner de, un travail, les organiser et créer un système réuni, une chaîne de d'ouvriers et les, chacun le donner, lui donner un travail, s'occuper que chacun puisse avoir la formation qu'il lui faut. Par exemple, on pourrait faire des écoles pour apprendre à s'occuper de d'hommes de ménage ou de personnes qui travaillent dans les écoles, dans les hôtels. Agrandir les ressources de la communauté, donc par exemple s'occuper de vérifier toutes les entrées, tous les revenus et toutes les dépenses de la communauté. Vérifier les dépenses et les limiter au maximum. Seulement les dépenses et tous les dons qui sont faits, qu'ils soient limités, qu'ils ne soient pas juste simplement distribués à tous. Qu'on empêcher une situation où l'argent est distribué à des personnes qui viennent simplement temporairement, des gens qui venaient et qui repartaient et qui en fait ils s'occupaient de, ils venaient dans chaque endroit où il y avait de l'argent et ils profitaient. Donc on voulait pas qu'il y ait des personnes qui soient là temporairement, qui puissent profiter de cette aide, que cette aide soit là que pour les personnes qui sont là de manière fixe. Donc les personnes, les mendiants occasionnels ne pourront pas rester là et profiter de, du comité. Créer de nouvelles ressources, donc mettre des impôts sur tous les, et faire des contrats sur tout ce qui est transmis aux membres de la communauté, donc que ce soit signé par des notaires, organiser des enterrements, vendre des places pour l'enterrement et mettre de l'impôt sur la mahria. Parce qu'à ce moment-là, on ne buvait pas de vin, on buvait que de la mahria. L'eau, on la buvait dans des bouteilles, alors que la mahria, on la buvait des cruches avec le vase. Le harak qui était fait maison. En arabe, en marocain, on appelle ça mashiriro. Ils l'ont préparé à la maison. Pareil, de même, il faut prendre il faut encaisser 25% des revenus de la synagogue selon l'autorisation qui a été donnée dans le Tchaïr du 20 juillet 1929 et prendre des impôts communautaires de tous les membres de la communauté en augmentant quelques centimes à l'impôt urbaine. Donc qu'on ajoute quelques centimes, enlever quelques centimes de l'impôt régional pour la donner à la communauté juive. Donc en résumé, il a ajouté que toutes ces propositions qui ont été proposées ne sont pas un plan final, mais c'est une contribution pour un nouveau plan qui permettra de reconditionner la communauté. Ce plan qui sera dynamique et qui permettra une collaboration de nombreuses interactions avec plein d'autres personnes qui seraient bien intentionnées. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce plan révolutionnaire? Eh bien, la mort si tragique de Moïse a totalement changé tout le plan. Et en vérité, celui qui a eu le temps de ramener ce plan-là à l'impression, eh bien, c'est sa femme, Nelly, qui a joint au plan toutes les paroles de discours de funérailles qui ont été dites au cours de à la mort de son mari et de tous les événements à sa mémoire qui ont été faits et tous les discours qui ont été faits pour l'admirer et pour parler de Moïse, et ça a été
imprimée en 1000 exemplaires. Mais il fallait une permission du protectorat pour l'imprimer. Elle a envoyé une copie au service du protectorat, et elle a demandé la permission de le diffuser. Le 5 décembre 1939, le contrôleur civil en chef de Casablanca s'est tourné vers le directeur du département des affaires politiques dans le gouvernement du protectorat, dans la direction du protectorat, pour demander est-ce qu'on pouvait retransmettre cette permission. Le 16 décembre, le directeur lui a répondu: vous avez, j'ai l'honneur de vous faire savoir que cette qu'on ne devrait pas publier cette, cette chose et que c'est interdit de transmettre cette permission. Évidemment, on sait bien quel était le refus de publier ce plan. Cette réforme dans l'organisme voulait en vérité prendre le comité communautaire et leur faire un corps politique social autonome. Et ça, en mettant un résident général et un maréchal, donc maréchal Hubert Lyoté, ont donc à tout prix fait tout ce qu'il fallait pour interdire, pour que les Juifs restent en fait soumis au sultan et pour qu'ils n'aient pas d'autonomie et d'indépendance. Donc il semblerait qu'après, a priori, bah, c'est là que s'arrête l'histoire de notre plan. Sauf que le plan est redevenu actuel, peut-être pas officiellement, mais en 1944, en vérité, le Gabriel Pau, le nouveau représentant à la place de général Charles Noguès, qui a été, donc c'était lui le représentant supérieur jusqu'à juin 1943, et puis il a été renvoyé, il a été licencié, et puis il a demandé à ce qu'on dédommage les Juifs sur toutes les injustices qui leur ont été faites sous le régime de Vichy. Et donc il a accompli ce qu'il a dit, et il a demandé aux responsables des affaires chérifiennes dans le préfectorat, dans la préfecture, le responsable d'institutions juives, de lui présenter un plan pour changer le tahir des membres du comité du 18 mai 1918, quelque chose qui avait eu donc lieu plus de 30 ans en arrière, en prenant en compte tous les envies et les ambitions de la communauté juive. Robert Lemaire, qui était donc le conseiller dans tout ce qui concerne les affaires chérifiennes, a donc écrit un papier, une lettre, qu'il a envoyé au directeur des affaires politiques, l'homme qui était à la tête du protectorat, qu'il a approuvé. Ce plan a donc été envoyé à tous les chefs du département du gouvernement pour être revu. Et à la fin du comité, on a donc décidé de la version finale du plan. À part de certaines choses comme par exemple rajouter les membres dans le comité et quelques autres détails comme agrandir la communauté juive, et par quelques petites choses, on n'a pas changé les réformes qui ont été écrites. On n'a pas changé en ce qui concerne la permission des Juifs de choisir une nouvelle civilité, un nouvel état civil dans lequel ils ont après avoir vécu de nombreuses années au Maroc. Donc ça a un peu déçu les Juifs, mais cependant, ils n'ont pas fait attention qu'il y avait en fait des lettres qui étaient ajoutées en bas dans la lettre. Et selon ce paragraphe qui était écrit, ça permettait de faire en fait des rencontres entre les communautés. Et en fait, ce paragraphe, il a en fait permis aux réformes importantes qui étaient écrites par rapport au statut des Juifs dans les 10 dernières années, ont permis aux Juifs de changer leur statut face au protectorat du Maroc, qui a donc permis le changement du statut des Juifs. Donc ces communautés pouvaient faire partie d'un organisme supérieur qui les réunit tous. C'est ainsi qu'il a donc annoncé ce changement en disant. C'est donc le changement, il a donc eu lieu. Des réunions des comités de la communauté avec le secrétaire général du conseil
qui a donc mis ces réunions en place pour s'occuper de tous ces sujets de la communauté, mettre des nouveaux conseils de rabbins de la communauté pour tout ce qui concerne les sujets actuels et mettre tout ce qui change avec le temps. Et le conseil s'est réuni la première fois en 1947 jusqu'à 1954. Mettre des lieux d'études pour les rabbins, et enfin créer une voie communautaire générale qui a vu le jour en 1950 sous le nom La Voix des Communautés, qui plus tard sera diffusée à la radio au Maroc chaque semaine par la culture juive du Maroc. Voici ce qu'a semé Moses Benatar par sa détermination et sa présence, comme beaucoup d'autres personnes qui avaient une vision et beaucoup de compétences et beaucoup de capacités, mais son enthousiasme et son enrôlement totalement bénévole pour reconditionner et améliorer la condition sociale et politique des Juifs du Maroc mérite que on grave son nom sur la pierre tombale et sur la mémoire historique des Juifs du Maroc.